Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous présente Blackwood, le pensionnat de Nipper de Loïs Duncan, qui paraît dans la collection Black Moon des éditions Hachette. C'est l'histoire de Kit qui va rentrer en internat parce que sa mère et son beau-père vont partir en voyage de noces et ne veulent absolument pas l'amener. Et elle appréhende évidemment. Bon, elle se sent un petit peu mieux quand sa meilleure amie postule pour le même pensionnat, sauf que cette dernière est recalée, alors qu'elle a un niveau qui est meilleur que celui de Kit. Donc elle commence à se sentir vraiment plus mal quand elle arrive devant la bâtisse qui est monstrueuse, noire, glauque à souhait. Encore davantage lorsqu'elle se rend compte qu'elles ne sont que 4 pensionnaires, que les profs sont un petit peu spéciaux, que les portes des chambres ne se ferment que de l'extérieur. Et qu'elles se mettent toutes à faire des cauchemars étranges en se réveillant dans un état pas normal et en frôlant avec le fantastique. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment, vraiment bien, surtout, principalement pour l'ambiance qui est assez dérangeante, qui est un petit peu noire. Donc, on aime bien être à la maison sous les couettes et découvrir ce genre de roman. C'est vraiment, vraiment agréable. Les personnages sont des jeunes filles en fait, hein. Elles doivent être au collège, peut-être au lycée, donc c'est de la jeunesse, mais c'est très très bien écrit, c'est à la portée des ados, des 12 ans en fait. On joue avec le fantastique, donc ça se mêle à l'ambiance un petit peu typée Harry Potter en gothique, donc c'est plutôt sympathique. L'écriture est très bonne, c'est vraiment fluide, on s'immerge complètement dans l'histoire. Le seul petit regret, c'est que le roman ne soit pas plus long, parce que ça se dévore d'une traite. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait en un après-midi, je ne pouvais pas le lâcher, c'était vraiment, vraiment très agréable. Donc voilà, je ne connaissais pas cet auteur, mais ça vaut le coup. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas, c'est Blackwood, le pensionnat de nulle part, de Loïs Duncan. Et moi, je vous présente bientôt quelque chose d'autre. Bye!